Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode sur StarTech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hamza, cofondateur de Vatler, une start-up qui a pour vocation de régler la problématique des parkings. Bonjour Hamza, Bonjour merci Fabien. d'être venu. Merci. C'est à toi de m'inviter. Peux-tu nous parler donc de Vatler? Alors, Vatler, c'est un service de voiture à la demande qui a pour but de rendre en fait votre expérience de conduite plus agréable. Moi, ça a commencé, j'étais à Paris avec des amis et j'étais obligé d'avoir une voiture parce que j'étudiais dans un campus à l'extérieur de la ville. Et quand j'allais à Paris, c'était à chaque fois genre horrible de trouver une place de parking. Et on s'est dit, OK, on va résoudre ça. Donc, en gros, ce qu'on fait aujourd'hui, Vatler est disponible qu'à San Francisco. On a lancé notre boîte à San Francisco. Et quand tu conduis à un endroit, tu rentres juste l'adresse, tu as un GPS jusqu'à l'endroit. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de ta voiture, qui prend ta voiture, qui la gare pour toi. Et puis qui te la ramène là où tu veux, quand tu veux. Donc c'est une application smartphone Exactement. où on se connecte Exactement. et là donc depuis Vatler, on appelle en fait un voiturier qui va trouver notre position et Exactement. à qui on va remettre les clés et s'occupe ensuite du véhicule Exactement. qu'on récupère ensuite. Exactement. C'est comme Uber, mais pour les gens qui conduisent. Très bien. Alors avant ça, Hamza, donc tu as lancé donc Vatler d'ailleurs avec deux autres cofondateurs, Aboud et Thomas. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, très rapidement, comment vous êtes connu, comment vous avez lancé la Vatler? Bien sûr. Donc j'ai étudié avec Thomas à Polytechnique et j'ai rencontré là-bas. Et Boud, c'est un ami de longue date. Que j'ai rencontré quand j'étais à San Francisco, quand je faisais mes études à Berkeley avec Thomas. Et j'ai toujours bo voulu bosser avec ces deux mecs parce que c'était des garçons hyper sérieux et qui en avaient envie et qui étaient intéressés par les mêmes problématiques de transport, de parking, tout ça. Tous les trois, vous avez un profil technique, c'est ça? Donc vous développez tous les trois. Est-ce que tu justement, quelle est la complémentarité? Comment vous organisez? En fait, là où ça a été intéressant, c'était au début, quand il fallait tout. Fallait coder l'app, fallait coder le back-end, fallait tout coder. C'était hyper intéressant d'avoir trois cofondateurs techniques. Donc, on a tout fait ensemble. Et puis maintenant, au fur et à mesure que la boîte grossit, qu'on a plus d'utilisateurs, on se rend compte qu'il y a d'autres problématiques qu'on n'avait pas quand on n'avait pas d'utilisateurs. Et donc, par exemple, moi, je gère la partie sales, marketing et relations avec les investisseurs. Et Boud gère la partie opération. Et Thomas gère la partie technique. Technique, d'accord. Donc en fait, on évolue avec notre boîte. C'est ce qui est Alors, intéressant quand tu es cofondateur technique, c'est que tu as la capacité d'évoluer de avec ta pouvoir boîte. évoluer, absolument. Alors, pour continuer justement, donc après ta formation, vous êtes connu au moment de à Polytechnique. À ce moment-là, d'ailleurs, Polytechnique, vous n'avez pas encore fini votre formation, du coup. Je vais être diplômé à la fin de l'année, À la normalement. fin de l'année? Bon, c'est ce qu'on espère. Et alors, vous n'avez pas fini vos études, que vous êtes dit, on va lancer notre start-up. Ça, on est en avril 2014. Vous lancez une première start-up, d'accord? Donc, toujours dans la gestion de parking, qui s'appelait Switch. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, l'idée, quand on était à. On avait fait un échange à Berkeley, on était là-bas, on s'était rendu compte qu'à Paris ou à San Francisco, il y avait toujours la même problématique qui était les gens galéraient pour trouver des places de parking dans la rue. Donc, l'idée, c'était de dire on va essayer de créer une application mobile, d'utiliser la technologie pour aider les gens à trouver des places dans la rue. Donc, on avait créé Switch, qui était une app où les gens s'échangeaient les places contre 5 dollars. Et on avait commencé, en fait, très simplement, juste avec des panneaux. Alors Donc, on. raconte-nous exactement comment Alors, vous avez nous, on commencé. avait fait des petits projets avant, parce qu'à chaque fois qu'on avait un problème, on voulait le résoudre. Et on codait tout le site, on faisait tout, et on se rendait compte que personne ne l'utilisait, donc on était mal après. Donc, on s'est dit, on va arrêter de faire ça, on va essayer de faire quelque chose que les gens utilisent sans utiliser de technologie, et après, on va intégrer la technologie pour le rendre encore meilleur. Donc, c'est ce qu'on avait fait avec Switch. On avait pris nos panneaux, on s'était posé dans la rue, on avait bloqué deux places avec nos voitures, et on y avait marqué parking spot. Et le but, ce n'était pas de faire de l'argent, c'était juste de faire en sorte que les gens échangent leur place et qu'ils laissent une garantie de 5 dollars qu'ils récupéreront s'ils aident quelqu'un d'autre. Donc l'idée, en fait, toute l'idée de l'argent qu'on avait introduit, c'était, on s'en était rendu compte dans les expérimentations. Au début, on le faisait gratuitement. On disait, les gens, juste échangez-vous les places. Les gens prenaient les places, ensuite ils ne les rendaient pas. Et puis quand on a mis en place
les 5 De 5 dollars dollars. de garantie. Quelque part, celui qui était en fait garé, Exactement. ceux qui souhaitaient se garer remettaient 5 dollars. Donc, quelque Exactement. part, il achetait sa place, entre Exactement. Et guillemets. après, il la revendait. Voilà. Et ensuite, il pouvait la revendre, pas non Exactement. pour faire d'un point de vue économique, mais ça Non. permettait de pouvoir justement de Exactement. se passer le relais, quoi. Les 5 dollars, c'était le Exactement. relais. Exactement. Et du coup, donc on avait fait ça, et puis à San Francisco, on arrivait à faire 8 voitures en 2 heures comme Donc, ça. vous étiez dehors avec vos panneaux Exactement. et vous arriviez à chaque fois à faire 8 transactions par jour. Par heure. Par... Chaque 2 heures, pardon. 8 transactions toutes les 2 heures. D'accord. Donc à chaque fois, on fait des expériences de 2 heures, on arrivait en moyenne à faire 8 transactions. Donc, Donc ça marchait. Vous ça marchait aviez bien. validé votre concept, donc, du coup. Exactement. Et du coup, on est rentré, on devait rentrer à Paris pour finir nos études à Polytechnique. Et on a développé l'app pendant cette période. Puis après, on a candidaté à YC et on est reparti à San Francisco pour lancer la boîte. Alors, pourquoi justement vous êtes parti à San Francisco? La raison était toute bête, Donc, San c'est... Francisco, c'est Silicon Valley, Ouais. on va dire la place mondiale des startups. Donc, alors... La raison était vraiment toute bête, c'est qu'on a essayé de faire les mêmes expériences à Paris quand on est rentré et on faisait une voiture toutes les 2 heures. Et simplement parce que les Américains ont un rapport à l'étranger qui est très très différent de celui que les Français ont à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de se parler, ils n'ont pas peur de s'arrêter, discuter avec toi, voir ce que tu fais. Et D'accord. à Paris, on avait beaucoup beaucoup plus de mal. Donc C'était on s'est beaucoup dit, plus pour cher. faire quelque chose comme ça, on va aller directement à San Francisco. Et en plus, on connaissait des gens là-bas et on avait entendu parler de Y Combinator. On s'est dit, on va candidater à ça et s'ils nous prennent, on va partir là-bas. Donc, Y Combinator, c'est un accélérateur, c'est la référence aux États-Unis, voire même mondiale, dirigée par Paul Graham, qui a donc, à travers Y Combinator, accéléré un grand, très très grand nombre de startups, notamment Airbnb et plein d'autres. Et donc, là, vous décidez en fait de postuler pour cet accélérateur. Comment ça s'est passé? Bah, c'était très simple. À l'époque, on était chez The Family, Qui est et un autre accélérateur en France. exactement à Paris. Et ils nous ont beaucoup aidés en fait pour faire en sorte que notre application à Y Combinator soit la plus simple possible et résume exactement qui on est et ce qu'on fait. Et il se trouve que Y Combinator recherche des gens qui ont le même profil que nous, qui sont des gens techniques, qui ont des problèmes qu'ils ont envie de résoudre et qui le font d'une manière simple, D'accord. qui ne montent pas des usines à gaz. D'une manière super simple. Donc, on a soumis notre application à Y Combinator, on a parlé à plein de gens là-bas pour qu'ils nous fassent des recommandations et on a eu notre interview. Puis ensuite, on a pris nos billets d'avion, on a acheté nos billets d'avion, on est parti là-bas. Comme ça. On a eu une interview de 10 minutes qu'on avait préparée pendant 2 jours. On était dans une maison à Palo Alto qu'un ami nous avait prêtée. Pendant 2 jours, on n'arrêtait pas de travailler nos chiffres, qui on est, pourquoi on fait ça, et essayer de rentrer dans ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire des gens Exactement. hyper simples et qui ne prennent pas 10 heures à expliquer ce qu'ils font. Et on a eu notre Parce qu'ils interview. reçoivent des milliers Alors, ils de reçoivent dossiers. des milliers de dossiers, ils en sélectionnent entre les 400 ou 500 qu'ils interviewent, et D'accord. après, ils Et en prennent ensuite, 100. ils en prennent 100. Il y a deux sessions par an, Exactement. l'hiver, Exactement. Une l'été. été. Et donc, vous avez fait partie de cette session Exactement. donc de l'été 2014. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez appris donc sur place? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou comment fonctionne Y Combinator? Alors nous, notre aventure à YC était vraiment très mouvementée. Ils appellent ça YC, c'est l'abréviation pour Y Combinator. C'était vraiment très mouvementé parce qu'on a commencé avec un projet. On était étrangers en plus, donc on avait beaucoup à apprendre et sur la culture locale, sur le business, sur tout, quoi. Et on a dû changer en cours de route. Je te raconterai pourquoi. Ce qu'on a appris, mais moi je dirais vraiment la principale chose que j'ai appris, c'est la simplicité qu'il y a. C'est qu'en fait, le business c'est simple, la vie c'est simple, il ne faut pas se prendre la tête. Et YC c'est simple. YC, tu arrives, c'est un hangar. Hangar, C'est un hangar. Il n'y a rien d'autre. simplement. Il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. C'est hyper simple. C'est un hangar avec des chaises et des tables. C'est tout. D'accord, Et simplement. tu ne travailles pas de là-bas, tu vas là-bas pour rencontrer des gens qui vont t'aider, qui sont tes mentors. Et ces mentors, c'est 20 mecs qui sont des partenaires. Ils sont à Qui ont, disposition. voilà, qui sont à disposition, tu peux les contacter par email, tu leur dis j'ai envie d'un rendez-vous avec toi, et ils discutent avec toi de problématiques, ils te posent des questions très simples. Qui sont tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font à travers ton application, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et puis ces questions simples te forcent, toi, à te remettre en question et à faire ce que les Et gens à veulent. simplifier, Et bien eux, leur sûr. mantra, c'est make something that people want. Et en gros, ça veut dire fais quelque chose que les gens veulent, Tout simplement. et c'est aussi simple que ça. Et c'est D'accord. comme ça Et donc, il y a un que les gens programme réussissent. ou est-ce que ça reste open? Les gens viennent, enfin, ceux qui sont suivis par donc, Y Combinator viennent, les entrepreneurs, puis ensuite sollicitent à la demande,
Ou est-ce qu'il y a un programme un petit peu comme à l'école ou En gros, ce qu'ils font, c'est tu arrives, Ouais. le jour où tu es admis, tu fais partie de Y Combinator, donc tu as accès au réseau Y Combinator, tu peux emailer n'importe quel fondateur de n'importe quelle boîte qu'ils ont financée. Et ensuite, toutes les semaines, tu as un dîner avec des gros patrons de la Silicon Valley, Mark D'accord. Zuckerberg, on a eu Peter Thiel, avec des Peter penseurs, Thiel, fondateur voilà, de de PayPal, PayPal. notamment. Donc on a des chefs d'entreprise, des CEO, des penseurs, des ce que tu veux, qui sont des gens aussi très simples, qui arrivent, qui te racontent leur histoire en off, donc ils racontent des trucs qu'ils ne raconteraient pas nécessairement à tout le monde. Et donc voilà, et après tu peux leur parler d'une manière très simple, tu poses tes questions. Et ça aide D'accord. énormément. Et la journée, concrètement, en fait, La journée, vous networkez, vous non, si t'as tu fais ton business. En fait, tu fais ton business toute tu la codes, semaine, d'accord. tu codes, tu vas, tu parles à tes utilisateurs, tu fais tout. Et puis le mardi, c'est un jour où en fait tu rencontres, c'est juste une après-midi, tu rencontres D'accord. tes partenaires, donc les gens à Y Combinator où tu leur poses des questions. Tu leur exposes un peu tes Exactement, problématiques ils et répondent. Et ensuite, il y a le dîner avec le guest, ils appellent Donc ça le guest, c'est donc l'invité qui vraiment vient. droit au but, Ouais, c'est hyper simple. très simple. Ouais. Ok. Alors, du coup, lorsque le Y Combinator, cette session qui dure 3 mois, se termine, vous devez faire une démonstration. D'accord. Avant ça, il y a eu un petit problème. Donc pendant cette période des 3 mois, est-ce que tu peux nous en parler concernant Donc, donc Switch, cette application qui proposait de vendre exactement. des places de parking en fait. Donc, en gros, on avait commencé Switch, on avait l'app quand on est rentré à Y Combinator, on avait notre appli iPhone. On l'a lancé et on a commencé à avoir de l'usage, des utilisateurs, mais la croissance n'était pas extraordinaire non plus. Donc, on était content. Et puis, un jour, la ville a décidé, a entendu parler de nous et Ouais. d'autres compétiteurs qui, eux, avaient une approche plus scandaleuse, un marketing plus scandaleux. Ils disaient, bloquez les places, faites-vous 20 dollars. Alors que nous, c'était plutôt de tourner autour de l'échange L'échange, ouais. pour faciliter la vie à tout le monde et à la communauté. Et donc, la ville de San Francisco n'a pas voulu laisser ces applications monter et elle a décidé de les bannir. Directement, parce qu'ils ont estimé que ça, enfin que c'était une propriété Et publique puis et voilà, c'est ça. Et puis les villes aussi apprennent. Elles n'ont pas en stoppé plus. Airbnb très tôt. Et là, aujourd'hui, elles essaient de les stopper. Elles n'ont pas stoppé Uber très tôt. Et là, ils n'arrivent plus à les stopper parce que les gens, en fait, les Il y a tellement soutiennent. de. Ouais. Exactement. Donc en gros, les villes apprennent. Donc quand ils ont vu quelque chose apparaître qui Qui pourrait allait potentiellement. voilà, leur poser des problèmes comme Airbnb et Uber ont posé des problèmes aux villes. Ça confirme que vous étiez probablement sur un créneau qui était à fort potentiel. Exactement. Et du coup, D'accord. ils nous ont arrêtés avant. Et Et du coup, on a dû changer. alors justement, Hein. qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes adapté face à ça? Bah, la Comment vous première avez des dû choses qu'on a comprendre? faites au début, on était hyper naïfs. On s'est dit, la ville n'a juste pas compris ce qu'on voulait faire, et les journalistes non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va open sourcer notre code. Donc, en gros, on a donné notre code à tout le monde et on a dit, tous ceux qui veulent faire les mêmes choses que nous pourront le faire. De toute façon, nous, on n'est pas intéressés nécessairement par garder notre propriété. C'est comme si Uber décidait de donner son application partout dans le monde aux gens qui veulent lancer des Uber locaux. D'accord. Et on a essayé de convaincre les journalistes, puisqu'on s'est rendu compte que ça ne servait à rien, Ouais. qu'une fois que l'histoire était créée, tu ne pouvais plus nécessairement la modifier. Ouais. Et qu'en fait, la ville, même si on avait open sourcé notre code, on leur avait parlé, ils nous ont dit, on sait que vous avez une bonne volonté, mais il se trouve qu'on est obligé de vous interdire, parce qu'on n'est pas d'accord avec Ah ce que oui. font vos concurrents. D'accord. Et après, on s'est dit, OK, donc on avait essayé de se battre, donc on avait Vous avez pris mandaté des avocats, avocat, et ainsi de puis suite. la facture est tombée, on a eu une facture très très salée, D'accord. et Donc là, vous avez dit qu'il y a peu de choses qui changent, on s'est dit, donc on va peut-être finalement passer à exactement, autre on s'est chose. dit, on va passer à autre chose, avec en plus les partenaires au Y Combinator nous ont conseillé ça. D'accord. Et donc c'est de là que vous avez lancé Butler. Donc après, on est rentré dans une phase où on s'est dit, on a envie de continuer dans la problématique du parking, on a envie d'aider les gens à trouver des places de parking, il y Tout a à des gens fait. qui galèrent tous les jours. Ouais. Et on s'est dit, on va lancer plein, plein d'idées. Donc on a relancé plein d'idées. On a lancé une des idées, c'était un service de voiturier à la demande. Donc les gens nous appelaient, nous disaient, aujourd'hui j'ai un rendez-vous à telle adresse. Faites en sorte qu'il y ait quelqu'un qui prenne ma voiture, qui la gare pour moi, qui me la ramène où je veux. Donc ça, c'était Vatler. Et on a lancé deux, trois autres idées comme ça en parallèle. Et puis on a vu ce qui marchait le mieux. Et ce qui marchait le mieux, c'était C'est Vatler. Butler? Ouais. Ouais. Et du coup, on a codé l'application hyper rapidement, en moins d'une semaine. Et on a D'accord. lancé, on était en bêta pendant 3 semaines, et puis un mois après, on avait lancé. Et puis un mois Ouais. après, vous avez lancé. Aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs? Donc, on ne communique pas trop sur ça, D'accord. mais c'est de l'ordre de entre 100 et 1000. D'accord. Ouais. Donc c'est on est en phase de lancement. Ça fait à peu près Exactement. 1 mois, 2 mois que c'est lancé. Ouais, C'est exactement. ça? Donc c'est une application qui fonctionne, j'imagine qu'à San Francisco, iPhone. D'accord.
Et vous avez fait tout ce qui est GPS, ainsi de suite. Donc, et là-dessus, comment vous voyez Vatler d'ici un an? On s'est rendu compte quand on garait les gens tous les jours qu'ils nous demandaient beaucoup de services auto. Ils nous disaient, est-ce que vous avez ma voiture, est-ce que vous ne pouvez pas la nettoyer aussi? Est-ce que vous ne pouvez pas remplir l'essence? Et puis en gros, on s'est rendu compte que autour de la voiture, il y avait une grosse problématique de service aux gens qui possèdent des voitures. Et donc la vision qu'on a de Vatler, c'est continuer avec des petits projets, avec des partenariats, avec d'autres boîtes qui existent aujourd'hui, à donner du service aux gens qui ont des voitures. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Hamza d'être venu. Bon courage pour Vatler et toute la boîte. Et à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi, bon courage.